Allez, c'est parti du coup. Bonjour et bienvenue. On continue Roller Champions. Là, on vient de vivre une partie traumatisante pour les gens qui n'ont pas vu ça en VOD. En gros, pour vous dire, il commence à y avoir des strats d'anti-jeu, de personnes qui restent dans les cages et du coup qui bloquent tous les buts. Et donc, du coup, tu dois faire tomber le mec avant de pouvoir marquer. C'est un peu pété en vrai. C'est un peu pété. Je comprends l'idée de mettre un gardien, mais c'est un peu chelou. Donc, je pense que c'est un truc qui pourrait éventuellement être corrigé. En tout cas, c'était pas très jouissif à faire. Là, on est tombé sur une équipe qui a l'air ultra vénère. Je vois que des gens qui ont beaucoup, beaucoup de fans, donc ça peut être difficile. Une partie serrée, une partie vénère, tout ça dans le nouveau stade. On continue. Et c'est parti, toujours à fond, bien sûr. Une belle mise en avant du jeu, exactement. Là, c'était pas très beau ce qui s'est fait juste avant, mais peut-être que là, ça se passera mieux. Attention, 3, 2, 1, on est chaud. Le ballon, il est là. Et c'est Leufel qui démarre avec la récupération de la balle. Je vais tenter le commentaire en direct, attention. Leufel qui avance, qui est chaud dans une vitesse absolue. Oh putain, le shorty, il était tellement rapide. Ça y est, ça commence à jouer. Vénère, on tombe sur des gens qui sont à 3000 fans. Ça veut dire qu'ils sont au max. Ça veut dire qu'en fait, on sait pas depuis combien de temps ils jouent, mais ils jouent peut-être depuis très longtemps. Et ça tank. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer devant le Gouken du coup. L'objectif étant bien sûr d'aller plus vite que lui pour pouvoir éventuellement dépasser le shorty. Shorty qui fait la défense, hein. Et qui a réussi la défense. Putain, GG. Très bien joué. Il a joué propre. Il a joué très très propre. Là, je vois que ça joue aussi un peu la vie. Attention. Hop là, on freine. Vous avez vu le petit coup de patin qui a fait que du coup, il a raté son truc. Le petit coup de patin qui est très utile dans le jeu, hein. Elgouken, voilà, Elgouken qui est très bien passé. Placé, pardon, on envoie la passe, c'est ok. Alors, j'ai pris le... Oh, le shorty! Le shorty, il est énervé. Il est énervé, ça fait deux fois qu'il fait de la défense vénère. On n'a plus de musique, c'est perturbant par contre. Il nous manque la musique de l'entraînement. Allez, c'est bon, on n'en parle plus. Et c'est parti, à pleine balle, pleine vitesse pour le jeu. Là, il fait le foutu. Tant qu'il n'y a pas de défenseur, je pense qu'il faut mieux avancer. Ok. Et là. Hop. Comme ça, on n'en parle plus. Et 2-1. Je vais remettre la musique. Je vais remettre la musique. Hop, c'est parti. Allez. Ça rage quitte direct? Non. Ah si, il y a un mec qui rage quitte. Oh mais l'enfer. Oh l'enfer. Le gars il s'est dit, mais de toute façon je joue qu'avec de la merde. Bon après ça c'est le genre de truc, faut jouer en partie classée, en team et puis après compter sur le fair play bien sûr. Alors de toute façon on a le aimbot. Allez, on va choper Elgouken au loin. Elgouken, vas-y, attends, commence à avancer, je fais la passe. Avance, c'est bon, il est chaud. Dommage, c'est pas grave. Il a rechopé. Ok, on est devant. Et boum, 3 points. Ah, ça peut aller très très vite, hein, ça peut aller très très vite. Non mais je pense qu'on est prêt pour la team e-sport là. Voilà, balle de match. L'entraînement paye. En même temps, dès qu'il y a un bot, c'est fini. Hein. Là, tu le ressens vraiment maintenant. Dès qu'il y a un bot, c'est la partie n'a plus lieu d'être quasiment. Allez, on parle plus. Voilà, hop, c'est bon. Hop. On gruge. Passe. Je tank le deuxième. Le troisième, ça marque pas, c'est pas grave. Et c'est la win. Et c'est la win. Bon bah nickel. Nickel, nickel. Bah une partie rondement bien menée encore une fois. Encore bien menée, c'était cool. C'était bien bien cool. Ah j'avoue là c'était la raclée ouais. 3 minutes de jeu, non ça allait très très vite. Ça allait très très vite.
Bah, je pense que maintenant qu'on a nos strats, c'est ok quoi. Mais le vrai truc, c'est que là, il y a quelqu'un qui est parti, donc c'est allé trop vite. C'est allé beaucoup trop vite. La team qui se bodyblock, c'est intéressant. Oui, j'avoue. T'es obligé du coup de bien te déplacer bien proprement, parce que si toi-même tu es sur le champ de l'autre, finalement tu le ralentis et il y a tampon et ça marche pas. Donc effectivement, ouais, c'est compliqué. Mais où est l'arbitre? On se le demande. Bah, il est clairement payé l'arbitre, hein, de toute façon. Enfin, dans ces jeux-là, je veux dire, c'est une évidence. Allez, on va rejouer à Mexico du coup. On y est presque aux 3000, hein. On y est presque. Ça avance tranquillement mais sûrement. J'espère qu'elle va exploiter le côté team avec logo, maillot. Ah, mais tellement. Et même, j'aimerais que ça aille plus loin que ça. J'aimerais que pour les teams officiels, par exemple, tu vois, genre tous les gens qui ont des web télé, des structures et tout, qui puissent importer leur logo. Ça serait trop ouf. Je sais qu'ils avaient fait ça, par exemple, dans Need for Speed avec les joueurs pro. Par exemple, il y avait Kijuki qui avait sa propre bagnole, son propre skin, in-game. Mais ça, c'était trop stylé, quoi. Parce qu'elle défonce dans le jeu et que voilà, du coup, c'était complètement mérité. Et c'est vrai que ça, c'est le genre de truc qui fait plaisir, quoi. Ouais. Du coup, a priori, vous dites qu'il y a 9 maps dans le jeu final. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu. Mais on voit les points. Et oui, c'est vrai. Peut-être 9 maps, du coup, ouais. C'est peut-être un indice. Ah, il y a du bugger. Ok, très bien. Alors que là, on est habitué. C'est une alpha, enfin une pré-alpha, on le rappelle. C'est le début. Le temps que les choses se fassent. Alors non, la customisation n'est pas encore ouverte. En fait, le menu, il est fictif pour le moment. Il n'y a rien de dispo. C'est tout du fake. Même là, le menu principal, là, ce sera pas ça. Là, c'est du placeholder. Ah, j'en compte 10. D'accord. Bon, bah, 10 maps, alors. Dans ce cas-là, c'est 10 maps. Donc oui, merci pour les conseils. Hein. Vous avez raison, pour les déplacements, ça va beaucoup mieux. Et du coup, maintenant, ouais, on traverse le jeu, quoi. Après, je pense vraiment que quand t'as la balle, et tant que t'as pas d'obstacle, la passe, elle ne sert à rien. Dès l'instant où t'en as un qui a la balle, lui, il doit tracer le plus vite possible et rester pas trop loin de ses alliés. Et les alliés doivent vraiment dépasser les autres et faire les tacles qui font que tu as le champ libre et que tu peux courir, en fait. Donc en gros, dès que t'en as un qui court, c'est le runner, quoi. C'est vas-y, tu cours. Et les autres, bam, 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 ça tank. Je pense vraiment que c'est la strat voulue, en tout cas, dans le gameplay. Après, les passes pour aller très très vite, ça peut être effectivement super intéressant si t'arrives à les bourrer. Mais il y a tellement d'incertitudes dans le fait de faire une passe avec des rebonds et tout. Ça reste anticipable, je pense. Allez, c'est parti. Donc la balle, elle va arriver là-bas, sans doute. Ah, merde. Mauvaise anticipation. Bon, c'est bon. El Goukan, il l'a. On va espérer qu'il arrive à passer au travers de tout le monde. Ouais, c'est bon, c'est ok. Peut-être passe. Non, si. Oui, si, c'est bon, c'est ok. Ah, ça va être chaud. Non ! Le bug ! Le bug, je suis passé au travers de la balle. Ah, parce que j'ai fait le... Mais je suis con, j'ai voulu récupérer en faisant le dash, je crois que ça marche moins bien. Comment on a fait pour rater ça? Ah non, c'est bon. Non, fais surtout pas la passe. On va laisser El Goukan. On va revenir, non, c'est bon. Donc là, il est tranquille et tout. Non, c'est Loifel qui a... Ouah, qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, il a fait une passe de... Oui, d'accord, une passe de l'autre monde. Vas-y, El Goukan, t'es chaud. Là. Oh, il a marqué, GG, mais quel team incroyable. Oh là 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 là. Oh là 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 là, mais quel team incroyable. Non, Cadence of Hyrule, on y joue tout à l'heure. Magnifique. Ah oui, d'accord, je comprends. Oui, d'accord, Loifel qui en fait a fait la passe en préventif, c'est une trop bonne idée en fait. Parce que du coup, il y avait tout le monde sur lui, donc du coup, il a fait la passe vénère et c'était le bon choix. Ah, et c'est bon. Alors, je suis poursuivi ou pas? Non, ça a l'air d'aller. Il y a que Thibaut qui est là. Mais Thibaut. Ah merde! J'ai raté le dash. Enfin, le dash. J'ai raté l'esquive. C'est pas grave. Oh! Esquive venue nulle part là, ce qui s'est passé. Oh! GG! Ah, Thibaut qui déplace comme il faut. Ouais, passe pour El Goukan, c'était bien vu. Si Thibaut récupère pas, c'est GG. Ah, c'est dommage. Bon, c'est bon. On a quand même El Goukan qui passe tranquille. Voilà, exactement. Là, le champ libre sur un demi-terrain. Par contre, faut qu'on remonte absolument. Ouf, c'est bon. On a défendu.
même si c'était moche. Parce que quand même quand tu te fais stopper. Wouah. Oh, il tente la double passe. Ah merde, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ah, il y avait un bel essai, hein, ceci dit. Non, bien joué. Très bien joué, joué demi-tour. Ah non, là il me... Il m'a séché, vite, vite, vite. Oh là 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 là. Ça sent le point, ça pue là. Ouais, GG, bien joué. Très bien joué. C'est propre. Oui, c'est vrai qu'après, ouais, j'ai failli body block de mon côté aussi, ouais, bien vu. On va essayer de faire plus attention. Bon, là il y a 1-1, c'est serré, c'est très bien. Oh, la petite, ouais, la petite pause de fin, bien sûr. De 1, c'est parti. Ouf, plus chaud. Là, le coup de frein de Elgukan, c'était du génie en vrai. J'arrive pas à l'aider, mais son coup de frein, c'était vraiment du génie. But. Dommage. Ah, dommage, dommage, dommage. Bon, Gouken qui reprend, c'est ok. Je l'aide pas beaucoup là. Je suis très nul dans ma team là. Je suis très nul dans ma team. Autant il y a des fois il y a des instants de génie et puis il y a des fois il y a des gros moments à blanc. Là, on est dans le moment à blanc. Du coup, ils vont marquer le plus simplement du monde. Ouais. C'est pas grave. C'est vrai qu'il y a un petit côté Tron, ouais, avec le tracé comme ça des rollers. Et au moins il fallait passer en arrière, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tu peux le faire en mode rugby, hein. Je pense que tu peux te dire des formations, genre formation Intel, formation Intel, formation Intel, et après tu fais ta vie, hein. Ouais. Ah, c'est GG. Ouais, j'ai fait la passe avant. Oh là, il fait le carré à la balle. C'est GG. Ouf. Oh, le strike. Ah, comme tout à l'heure, le vrai beau strike. Oh, la balle, elle a tellement fusé par contre. Attends, demi-tour, ça pue là. Ouf. La défense implacable. Ah, défense bien menée. Ok. Leufel, c'est bon. Là, c'est un bon jeu de passe, malheureusement. Oh, si, c'est bon. Oh, Elgukan, si tu l'as. Oh, Elgukan, il l'a eu. Oh, GG. Oh, ce jeu de passe incroyable. Tout est raté, mais alors les passes, c'est beau. Putain. Non, surtout pas la passe. Là, oui. Il envoie pas. Ah merde. Dommage. Ah, il m'a séché. Ah, le Thibaut il joue bien. Le Thibaut il joue très très bien. Depuis tout à l'heure c'est lui qui fait vraiment le taf en défense. Ah mais j'ai raté ça quoi. Alors j'ai pas eu le bon. Et j'arrive pas à rattraper. Ah, GG. Voilà, faut qu'on marque 3 points. Sinon, ça va être dur. Ouais, mon micro sature un peu. Désolé, désolé. Excusez-moi, j'ai mis trop près. Le Thibaut, il joue très bien là. Sont les autres. Aïe. Qui c'est qui a la balle? Ouais.
être un échec. Non, c'est bon, GG. Oh là là, quelle défense de l'Eiffel. Alors, malheureusement pour la passe, ça a été compliqué. Ah, oh, si, Elgouken, il va l'avoir. Oh, Elgouken tout seul. Oh là là, mon dieu, mec, magnifique. Ah, il veut marquer. Non, surtout pas la passe. Allez, un de moins. Ça va être chaud. Non, l'Eiffel. L'Eiffel, c'est ton moment. L'Eiffel, c'est. Oh, dommage. Parce que là, il aurait pu marquer les 3 points d'un coup, on aurait remonté. Oh, ça pue ça. Comment j'ai raté ça, je sais pas. Comment j'ai raté ça deux fois, je sais pas. Oh la vache! Oh comme il nous sèche! Ah ces trajectoires, je sais, elles sont trop bien, Thibaut. Mais des fois, en fait, quand j'ai la balle, j'arrive à refaire les mêmes, mais quand j'ai pas la balle, je sais pas pourquoi j'arrive pas. Bon. Merde. On l'a eu là, hein. Ouais, c'est bon. Vas-y, l'Eiffel. Allez, faut qu'on mette les deux tours là. Allez, je fais confiance à l'Eiffel. C'est parfait. Oh, joli. Oh là là. Oh là là. Oh là là, cette action. Oh, cette action incroyable. Oh, cette action incroyable. Oh putain. Oh, le GG était tellement absolu, mais boum. Oh là 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 là. Oh, la jouissance. La jouissance d'une équipe. Ah, mais là, c'est sûr. Là, c'est sûr. Égalisation sur le fil. Premier qui marque a gagné. Alors là, par contre, on lâche rien, les gars. On lâche vraiment rien. Là, c'est pas possible. Comment il a réussi à faire ça? Ah, oh, GG. C'est tellement le bon move, la passe comme ça. Là, ils ont eu tellement raison. Oh, GG, Elgouken, c'est bon. Elgouken, c'est bon, c'est notre moment. C'est le moment de la team. Ah, là, on en parle plus. Comment ça? Ah! Ah! C'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? La passe interceptée! Ah non! Ah non! Non, il valide le segment, j'en reviens pas. Oh les boules! Ouf! Ouf! C'est reset, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La balle est pour nous là. Non! Oh, demi-tour direct. Ah, oh, j'ai raté, je reviens pas. Oh ouais. Non, j'ai raté la passe. J'ai fait Y pourtant. Putain, c'est raté encore une fois. Elgouken, y'a que toi qui peux sauver là. Ou le fail. Oh la vache! On l'a pas eu. Non! Non! Oh non! Oh non, il a démangé Ruel! Oh, c'est dommage! Oh, c'est dommage! Oh, c'est dommage! Oh là 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 là! Oh, il a tellement bien fait! Il a tellement bien fait! Ah, la déception, j'avoue, c'est triste! Hein. Ouais, je sais que je passais devant les allées, j'ai pas fait exprès! Hein. Doutez bien, je le sais bien, mais des fois c'est galère! Oh là là, j'avoue c'était épique, j'avoue c'était grave épique. GG à eux, oh non mais là le match c'était trop beau. Le match était beaucoup trop beau. Mais où est John Cena, c'est vrai qu'on se le demande. Bah c'était quand même un super match, hein. C'était quand même un super match, franchement zéro regret. Zéro regret.
beaucoup trop bien. Alors Rhythm Kini pour Demon Ex Machina, ils ont fait une vidéo dans le Treehouse pour montrer les améliorations du jeu suite au feedback, tu l'as vu? Oui, j'ai vu. La vidéo est très chouette, mais alors par contre dès l'instant où tu vois un boss, le jeu il passe en 5 FPS, c'est horrible, donc ça me fait très peur. Mais par contre toutes les améliorations elles sont trop bien quoi, vraiment tout est bienvenu dans ce qu'ils ont fait. Le seul truc qui va pas c'est que le jeu a l'air de ramer un peu moins, mais de ramer encore quoi. Donc c'est chaud. Bon allez, le dernier match, il est 17h32. C'est le dernier match, c'est le money match. Enfin, quoique peut-être pas, je sais pas, on va voir. Là, on joue tout, on joue absolument tout là-dessus. C'est parti, on est là pour tuer. Oh là là. Quel échec et quelle réussite en même temps. Ça a l'air compliqué. Là, Eiffel, tu peux tenter une passe si t'es chaud. Ouais, parfait ça. Ouf. Oh le mec, il avait des... Oh le gars, il voit dans le futur quoi. Oh, j'ai raté ça, j'en reviens pas. D'accord, ok, donc là on est sur quelqu'un qui sait vraiment vraiment très très bien jouer. Ah mais la balle est de l'autre côté. Waouh la vache. Je m'attendais pas à ça. Ok, là je crois qu'on est sur une équipe de vénère. Je crois qu'on est vraiment sur le D After J là, il a l'air en forme. Ouais, déjà on bourre lui. Je vois que ça tempo. Oh le saut, bienvenue. Ouais, bien joué, bien joué. Mérité, 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 mérité. Bon alors là, c'est le moment où je joue ma vie. C'est le moment où je joue ma vie. Plus rien ne compte. Là, ça joue la vie. J'ai pas compris. Ah, c'est bon, le Gouken a la balle. Putain, joli tacle. Merde, bien joué à lui. J'avais pas du tout vu. Pour moi, il était plus loin. Non, c'est bon, GG. Dommage. Ouf, oh le mec il a... Mais la balle elle était sur lui quoi. Déception. Merde, j'ai raté le dash. Quel mauvais jeu. Quel mauvais joueur. Là, je joue toute ma vie, je vous préviens. Putain, j'arrive pas à le rattraper quoi, c'est ouf. Ah oui, non mais en team strat, oui, mais clairement le... Encore une fois, en challenge personnel, je pense pas que le jeu ait un skill cap de ouf hein. Même si, bien sûr, sur les déplacements, on sent qu'il y a de la fluidité et tout. Mais il y a des choses à retravailler pour que ça aille mieux. Mais par contre, ouais, en team play, il y a trop de strats possibles hein. C'est... Merde, beaucoup trop loin. Bon, c'est quand même la team qu'il a, c'est cool, mais... Déçu qu'on soit pas tamponné tous les deux. Pourquoi c'est lui qui l'a eu? Il a peut-être dû taper avant. Putain, le Gouken qui carry tout seul. Et le Gouken, il est là, il est présent. Il est à l'aise. Oula. Ouf.
Vas-y, Loifel. Qui a fait une passe, Elgoukens, parfait, très bon. Très bien vu, très bien vu, très bien vu, très bien vu. Là, c'est le moment de la boucle. Et j'ai raté ça. Et merde, si je l'avais tanké, il était tout seul. Je suis dégoûté, c'est de ma faute. C'est grandement de ma faute. Merde, pourquoi ça n'a pas marché la faute? La passe, pardon. Bon, vas-y, le Gouken, c'est bon, moi j'ai fait la passe. Allez! À quel moment ça marche pas ça? Ok, là c'est bon. On est tous les trois. On reste groupés. Ouah, wow, il s'est arrêté mon perso, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Vas-y, Loifel. Ah, dommage. Mais punaise, à chaque fois que je fais le dash, à chaque fois, le mec il le fait avant. J'ai un vrai temps de latence de cerveau, quoi. Vivement le mode spectateur, en tout cas. Parce que là, pour vous, ça doit être gerbant, quoi. Ouais, j'ai pas réussi à la choper. Ouais, mais il est au-dessus. Ouais, il est au-dessus, laisse tomber, je... Ouais, j'ai pas le niveau. Là, celui-là, j'ai pas le niveau, vraiment... Elgoukan là, je pense. Loifel aussi, il gère bien. Mais là, ça demande de la training room un peu, quoi. Ils l'ont voulu, celui-là. Ils l'ont voulu. Le main game est présent. Ouais, j'avoue, mais là, ils sont forts, là. Bon, du coup, faut qu'on mette 3 points d'un coup. Pour retenter l'exploit tout à l'heure. C'est possible, hein, c'est possible. On l'a vu une fois, pourquoi pas deux, hein. Merci, Soda. Merci beaucoup à toi. Bienvenue aux personnes qui rejoignent la chaîne, au passage. Ah, il nous reste 1 minute 30 pour faire un truc incroyable. C'est le moment ou jamais. Je vois Loifel qui est présent. Ah merde. Oh, le Gouken qui est chaud. Là, je l'ai eu. Ok, c'est bon. Je vais pas servir à rien pour une fois. Merde, j'ai raté mon truc et j'ai ralenti sa vitesse. Double caca là. Allez, c'est bon. Allez pour toi. Vas-y, Gouken. Oui. 3-3, c'est bon. Allez, GG. C'est bon, c'est bon. Désolé, Gouken, du coup, j'ai complètement stoppé ton avancée en faisant mon dash foireux là. Là, on est bien. Là, on est très très bien. On peut remonter. Ouais, je me suis douté que ça apparaîtrait là. Ah, putnaise. Oh, c'est dégueu, c'est dégueu. Ça a planté parce qu'on était en même temps sur la collision et du coup il a pas suggéré. Oh, la passe. Oh, la passe. Oh non, mais non, laisse tomber. Oh ouais, c'est foutu. Oh oui. Incroyable. Incroyable. Il existe un dieu qui nous a aidé. Un dieu du rollerball. Vas-y, le Gouken. Elle est pour toi. Elle est pour toi, le Gouken. J'ai mis tout mon cœur dans cette passe. Raté, certes. Oh oui. Non, pourquoi ça fait ça? Pourquoi je l'ai pas eu direct? Oh oui. Je comprends rien à ce que je fais. Oh oui. Oh là là. Mais oui. Mais oui. Oh mais l'esquive est venue de nulle part. Oh là 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 là. Elle avait aucun sens cette passe. Elle avait aucun sens. Bon ben voilà, c'était beau. Et c'est ça.
Je comprends rien à ce que... Goal, goal, goal. C'était complètement au pif. Mais c'est passé, hein. C'est... Non, mais tu débrouilles très bien, le Fel, hein, t'inquiète, hein, c'est... On a un bon équilibre, en vrai, parce que moi, je cours quand même pas trop mal quand j'ai la balle. Et le Gukan, il est complet, et toi, t'es le défenseur, quoi. Défenseur-passeur, donc c'est parfait. Ah, c'était beau, c'était très très beau. Ah, la remontada est venue nulle part. Hein. Bon, une petite dernière, allez, on peut pas s'arrêter comme ça. Une petite dernière, c'est obligé. Ah là là. Oh, la violence du jeu, quoi. Même le jeu était perdu. Ah non, mais le jeu, il a pas compris ce qu'on a fait, là. Mais non, je compte des gens qui ont 3000, 2800, putain, c'est... C'est dur, hein. C'est dur. Ouais, peut-être qu'on passe les 3000 fans, là, du coup, avec ça. Bon, maintenant, j'attends la sortie du jeu, quoi. C'est là, clairement, sans hésitation, vivement la sortie. Je n'en peux plus. Mon corps est en feu. Je veux ce jeu à la maison. Ouais. Là, Ubi, va falloir aller vite. Hein. Merde, mais quel boulet, mais quel... Ouais. Bah finalement je trouve qu'on voit pas tant de répétitions de strat hein, à ce niveau là. On m'avait dit ouais tu verras 3000 fans, c'est toutes les mêmes strats et tout. Finalement ça va peut-être durer un temps et puis finalement non. Ouh là ça sent chaud. Ah oui je l'ai senti ça. Oh le Gouken qui est tellement plus rapide. Ils sont tous plus rapides que moi en fait. J'arrive pas. Je fais de la merde. Je suis le pire défenseur, je pense, de l'histoire de Roller Champions. Vraiment, la défense, c'est pas mon truc. Hein. Autant faire le fifou, ça va. Allez, autant défendre. Il y a des moments incroyables, hein, mais ça reste quand même très très anecdotique par rapport à... Hop. J'ai fait Y, c'est pas passé. Si, là, l'Eiffel. Ah merde, dommage. Ah j'ai tenté hein, j'ai tenté mais c'était compliqué. Oh punaise. Je peux pas regarder à la fois devant et derrière. Oh GG, oh là là mais le Gouken est tellement présent. Dans le sillage de El Gouken. Déçu, j'en ai eu un pas deux. Ouais, là c'est compliqué. Ouais, ça joue les 1 point, ok, très bien. Ouais, dur, très très dur. J'ai essayé le salto ouais, tout à l'heure, Pimax, ouais. A priori, le jeu sera gratuit, ouais, à sa sortie. Bon, j'imagine que ce qu'on paye, c'est des skins après, quoi. Si c'est ça, franchement, ça va, hein, c'est... Un modèle de jeu... Comment ? Waouh, la vache, mais les passes qu'ils font. Dans la gratuité, mais avec... comment ? Mais avec des skins payants et tout pour les saisons, les machins, bon pourquoi pas quoi. Franchement ça... Ah mais non mais comment j'ai fait pour faire ça. Oh le Gouken GG mais comment tu fais pour faire ça putain. Allez c'est bon. Oh putain j'ai oublié le dash. Ah c'est la musique où j'ai réussi normalement celle-là. C'est Walkman. Allez, on y va. Voilà. Normalement, c'est tamponné, mais le Gouken est passé. Oui, voilà, c'est bon. Allez, petit point facile. Yeah, GG le Gouken. Mon dieu, mec, il est bon ce joueur. Mec, il est bon, mec, il est bon. Nickel. Est-ce que ça va sortir sur console? Alors je vois beaucoup de gens qui disent que ce sera que sur PC. Pour un jeu qui est que sur PC, ce serait quand même chelou de pas mettre les contrôles clavier. Donc pour moi c'est un jeu qui va arriver sur toutes les consoles de l'univers, même sur Wii. Ne serait-ce que pour le rendre rentable en fait.
À mon avis, le jeu il va être sur tous les supports, Switch et tout ça, et après t'auras des skins Zelda, machin et compagnie par exemple sur Switch, t'auras des skins exclusives à chaque support. Après la seule vraie question c'est est-ce qu'ils vont tenter le crossplay, ce qui serait vraiment la meilleure idée. Mais ouais, en tout cas, oui non, c'est un jeu qu'on verra partout ça, faut pas se poser de questions. C'est Ubisoft, hein, Ubisoft ils font pas d'exclus PC, hein. Ça n'existe pas ça chez eux. Ubisoft c'est le jeu pour tout le monde, mais surtout l'argent pour nous. Donc ne vous inquiétez pas, ils gèrent. Ils connaissent leur domaine. Ah et c'est bon. Enfin une truc réussi. J'avais pas vu celui de derrière, j'avoue que j'ai eu un peu chaud. Ah ils sont assez loin malheureusement. Le Goukan. Ah non, il a pas fait le call de la page, j'ai pas pu envoyer. Notre MVP. Bon toi, je te ponce quand même. Non, trop long. Il a foiré le tir. Le fait qu'on puisse foirer le tir, c'est aussi la vie. Hein. Ça avait été tir automatisé, ça aurait été nul. Ah, je l'ai raté. Encore une fois. Il y a des mécaniques de tacle chelou. Parce que des fois, tu fais le tacle toi aussi, mais l'autre, il est pas stun. Des fois, t'es stun tous les deux. Des fois, tu comprends pas. Ah, bon, là, j'ai compris. Bon, il y a un vieux 1-1. Oh, le Gouken, pareil. Oh là là, mon dieu, ça relance le jeu. La partie est tellement serrée en vrai. Je reviens pas trop dessus, mais la partie est très serrée. Hein. Ah, dommage. Ah, ils ont fait la bonne passe. Je pense que c'est eux qui ont raison sur les passes. Hein. Parce qu'ils arrivent à anticiper des trucs des fois quand même. Ok, allez c'est bon. Allez, elle est belle. Al-Gukan il l'a. Oui. Ouais, j'arrive à le défendre maintenant parce que le pauvre. Il est marqué un peu quoi. Ah la passe qui tue, bien joué, bien joué, bien joué ça. Très très bien joué, c'est pour l'Eiffel. Allez, j'en ai tamponné un. En espérant que les autres n'arrivent pas à la voir. Oui. Ah, dommage pour l'Eiffel. Quelle action, pourtant c'était beau. Vas-y. Dommage, la passe a été contrée. On n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à se départager, c'est pas possible. C'est pas possible, on n'y arrivera pas. C'est dommage parce que là on avait un super truc. Hein. Ok. Vas-y l'Eiffel, c'est ton moment. Ouf, on se fait tamponner tous les deux. C'est moi qui aurais dû défendre. Il y a eu un échec. Aïe, ça pue. Ça pue. Ça sent un moment de jeu difficile. Ça tente les passes. Ah GG. Là vous avez vu au niveau vitesse j'ai pas trop mal mais bon. Ça arrive une fois tous les 100 ans les trucs comme ça. Oh l'overtime. Ça y est. Celui qui marque gagne. Le ballon en or. Ballon en or oui c'est ça. But en or bref c'est compris. Ah dommage. S'il avait fait la passe devant je pense qu'il y avait moyen. Allez. J'ai raté mon dash. J'ai lagué du cerveau, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant j'étais trop bien, là je me suis dit allez c'est bon, je suis large et tout. Oula, alors là par contre c'est très chaud. Ils ont fait une très belle action, ils ont fait la passe qui a validé deux segments. Du coup ils ont juste à terminer. Il n'y a plus que l'Eiffel. Non, Al-Gukan et moi pardon pour contrer. Oh oui. Oh non. Mais c'est quoi? À quel moment je prends pas la balle? Oh vas-y dégueulasse. Oh c'est dégueulasse. Oh c'est dégueulasse, on termine là-dessus. Oh non c'est dégueulasse. À quel moment je prends pas la balle? À quel moment ça ne marche pas? Regardez ça, je passe dessus. Comment c'est possible? Comment c'est possible? On ne rate pas des choses comme ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Mais ramasse-mieux, c'est exactement ça, mais c'est trop chelou. J'ai dash à côté. Ouais, mais normalement, quand tu dash, on a testé une fois. Quand tu dash, normalement, c'est censé fonctionner. C'est justement, au début, je pensais que non, et en fait, à force de test, on se rend compte que oui. Donc si, si, c'est censé marcher. Mais là, c'était quand même dommage. Ah ouais, franchement, rien. Surtout qu'on a raté une action tout à l'heure, donc là, on aurait vraiment pu faire mieux, quoi. Non, la musique qu'on entend, c'est pas celle du jeu, hein. C'est Lukash. Bon allez, on tombe contre que les gens qui ont 3000 fans, sauf un gars qui a un fan. Donc c'est les potes qui lui ont dit « Putain, tu vas voir, faut que tu joues, tu vas kiffer, on va te briefer, ça va être trop cool. » Donc, sous-entendu, ils sont en vocal. Voilà, c'est l'analyse Sherlock de la team qu'on a en face. Là, vous voyez, par exemple, j'ai dashé, c'était bon. Aïe. Oh putain, mais comment il m'est tombé dessus, lui? Allez, c'est la dernière partie, celle-là on la gagne. Et on joue tout, et on joue tout. Ah, c'est chaud. Hein. C'est horrible parce que j'ai l'impression d'avoir progressé de ouf par rapport au début. Mais vu qu'on tombe sur les gens qui sont beaucoup plus forts, du coup j'ai l'impression de re-être tout en bas de l'échelle. C'est horrible, c'est horrible. On a roulé sur des gens qui étaient moins forts que nous, et là on tombe sur les gens qui sont plus forts que nous, et du coup on galère de ouf. C'est insupportable. L'ascenseur émotif était beaucoup trop light. Oh là là, mon dieu, l'échec. Oh mon dieu, l'échec. Alors là, je l'ai plein. Parce qu'en plus là stratégiquement c'était un peu de la merde ce qu'on faisait. Ah putain, ils vont vite hein. Ah, ils jouent bien, ils jouent très très bien. Là c'est les deux qui jouent vraiment bien qui disent aux collègues « Non mais viens tester, tu vas voir, tu vas kiffer et tout. » T'inquiète, on carry, et ils carry vraiment en fait. Allez, Gouken, c'est... Ralentissez-les, ouais c'est parfait. Non mais comment c'est possible? Je prends un truc. Voilà, c'est bon. Non mais, prends la balle quand tu fais ça par contre. Non mais arrête! La trajectoire, mais c'est pas possible! Mais quel échec! Quel échec de vie! Mais si ma maman voyait ça, elle aurait honte. Je dirais, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Oh putain. On a encore la balle ou pas? Oui. Non. C'est vrai qu'on va faire une grosse passe en profondeur, ouais. On va tenter les passes de pif. Il doit y avoir des moments d'action de fou de toute façon. Parce qu'en fait, je pense que quand t'as pas d'adversaire, quand tout le monde est d'un côté, une passe en profondeur, c'est gratuit. Tu fais une passe nature en mode easy, je pense que c'est vraiment gratuit. Putain, j'ai complètement merdé, j'ai freiné le Gouken alors que je voulais pas le freiner, je voulais passer devant mais j'ai pas réussi. Et ouais, évidemment, il se fait choper, bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, choper les trajectoires de déplacement, ça me rappelle les vieux instants de faire de la défense en étant gardien sur Rocket League, ça. Ah d'accord. Bon, là c'est mon moment. J'ai sauté. Oh, le Gouken! Le Gouken, incroyable! Oh, mais pff, mais quel héros! Mais quel héros, ce le Gouken! Mais quel héros! Et là, il marque. Ah non, dommage! Oh, le dash qu'il m'a fait. GG. Passe devant parce que là, t'es dans la merde. Ouais, le Gouken, vas-y. C'est bon. Allez, 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 allez. Foire, mais... C'est moi qui l'a pris. Allez, c'est parfait, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Et oui, il m'est rentré dedans, donc c'est bon. MVP, El Gouken. Hein. MVP. Rien à dire. Le Gouken, il est là. Regardez ça, ce salto arrière incroyable en roller. Tout ça en montée. Les grandes bases du jeu vidéo, elles sont là. Il les a assimilées. Allez, El Gouken la passe. C'est pour toi, c'est nature. De toute façon, les trois étaient du même côté. Voilà, donc tu peux prendre.
Voilà, c'est ça en fait. C'est exactement ça. La passe nature, quand t'as. Comment dire? Quand t'as tout le monde du même côté, c'est. Ou juste derrière toi, c'est gratuit. C'est dommage pour ça. Incroyable, une percée terrible. Ah, j'ai tenté le contre, mais ça n'a pas marché, vite. Elgukan est tout seul. Elgukan peut tenter la passe de Barjo. Il peut, il n'est pas obligé, mais il peut. Il a raison, il a eu raison. Faut que je me bouge le cul par contre, parce que s'il est derrière moi, voilà, j'ai senti. Oh, Elgukan! Mais il est tellement présent, mais il est tellement présent, mais regarde-moi ce joueur incroyable. Non, mais comment j'ai fait pour rater ça? Mais comment j'ai fait pour rater ça? C'était tellement gratuit. Oh non, mais c'est... Pff, oh là 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 là, il est tout seul. Il est tout seul, Elgukan. Non, mais là, pff, laisse tomber. Le 1-2 tout seul, c'est exactement ça. Non, garde la balle, Gouken, je te sens chaud. Oh merde. Mauvais plan, mauvais plan, mauvais plan. Reprends. C'était une balle pour l'Eiffel. Allez, c'est bon. Fais une passe par contre. Ouais. Ah! Échec, putain, mais j'en ai marre de faire perdre mon équipe. Quelle horreur, mais quelle horreur. Cette balle là c'était l'enfer. J'aurais dû avancer. Ah ouais, là c'était l'échec là. Non mais c'est la fatigue, c'est la fatigue. C'est normal. On a joué trop longtemps. Je pense que là voilà, je suis sur le bout de la trajectoire. La prochaine partie bien jolie, ça sera quand on aura terminé le jeu. Ça tente les passes nature. On est ok. Oh là là, mon dieu, quelle défense de l'Eiffel. L'Eiffel, le tank, le paladin de l'équipe bien sûr. Bon, c'est lui qui est tout seul, fait sa vie. Ah, qui est pas si mal que ça quand même. Donc on va le bloquer. Allez, allez. Oh là là, quelle récupération de balles de l'équipe. Terrible. Qui a la balle? Ah d'accord, c'est l'OFL. Ok. Ok. C'était pas chaud. Qui a la balle? Ah merde, dommage. Ah, ils tentent la passe, ils tentent la passe, ils ont raison. Ils ont grave raison. Overtime. Non, ils marquent. Oh putain, les boules. Ils ont marqué en overtime. Mais non. Mais non. Mais non, fais pas ça. Fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Mais oui, ils ont tellement géré. Ah, c'est GG pour eux en vrai. Hein. C'est GG pour eux. Hein. Y'a rien à dire. Bon, y'a 1-1. Tout se joue là, je ne parle plus. Voilà, ça va être chaud. Putain. À quel moment c'est pas moi qui la récupère, quoi. Quel abus. Putain, je parie seul. Mais non, mais arrêtez avec ça. Elle est où la balle? Merde! Je pensais que j'avais la balle! J'ai fait L1, je pensais que j'étais chaud. Et en fait, non. Tiens. À quel moment j'étais censé ne plus avoir la balle? J'étais sûr d'avoir la balle sur moi, je sais pas ce qui s'est passé. Bah oui, moi, tout le monde a cru que j'avais la balle, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, c'est bon, c'est gratuit. Elle est pour toi. Elle est pour toi? Oh, GG, c'est bon.
On termine sur une victoire quand même. Mais ouais, mais c'est ça. Ah, en jageant, lui, j'avoue que parfois t'es censé avoir la balle et tu la chopes. Ah non, mais bien d'accord, on est bien d'accord, il y a des fois. Mais ça doit être des histoires de connexion, ça. Ou il peut pas nous voir pareil en temps réel et en. Enfin, je dois pas être au même endroit que ce que les adversaires me voient et des fois, le serveur doit calculer que, en fait, bah, l'autre il est mieux placé que moi. Mais ouais. Ah putain, c'était magnifique. C'était magnifique. Bon, c'est ok, c'est passé. Et donc là. Oh non, on n'est pas à 3. Ah si, voilà, on passe le cap des 3000 fans. Du coup, on a terminé la démo. On va dire ça comme ça. Bon, pour les gens qui voient ça en VOD, du coup, c'était le Roller Champions. Alors, VOD un peu moins fun que les autres, mais du coup, beaucoup plus tendu, hein, clairement, au niveau des parties, là. C'est assez compliqué. Ça demande plus d'organisation, plus d'entraînement, plus de sélection des matchs que je vous montrerai aussi. Je pense que pour les prochains, lorsque le jeu sera disponible, vraiment, je vous laisserai que le meilleur des meilleurs des meilleurs. Je vous mettrai juste les meilleures parties, en fait. Je pense que ce sera des petites compiles, par exemple, ça pourrait être cool. Mais vraiment beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien, ce Roller Champions. Pour les gens qui sont sur le live, je vous dis à dans un instant. Pour les gens qui sont sur la VOD, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bye.